Le Silphite a été mis au point par un ancien commandant de la marine américaine. Grâce à une série d'exercices d'endurance intense, il démolit votre corps et votre esprit pour mieux vous reconstruire ensuite. Le but est de vous donner le corps, l'esprit et l'âme d'un guerrier. Lorsque votre corps commence à lâcher, c'est vraiment votre force intérieure qui prend le relais et vous porte. Cette méthode est censée développer des traits de caractère tels que l'honneur, le courage, la discipline, l'intégrité, la responsabilité, la capacité à diriger et l'esprit d'équipe. Ce n'est pas de la rigolade, mais une véritable introspection de l'âme. On a de la chance de faire ça. Mais cela ne vient qu'après le manque de sommeil et l'anéantissement total du corps, dû à une session de 8 heures dans le sable et l'océan, à porter des bûches, à faire des tonneaux et à ramper. Le but est que votre corps vous lâche et que votre mental prenne le relais, ce qui est à la fois impressionnant et effrayant. Cette méthode prétend vous préparer à tout, du prévisible à l'inconnu. Dans ce type de compétition, il ne s'agit pas de gagner, mais plutôt de survivre.